Yo les amis, Nozirolol, oula, en mode. Oulala, cassez-vous! Nozirolol avec Geminator pour le gameplay partie 8 de Dying Light, parce qu'on est des gros ouf. Qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant? Déjà je me fais pousser. On va s'écarter de là. Alors qu'est-ce qui était en train de se passer? On a ramené ce qu'il voulait à Ray. Et gentiment il nous a pas du tout donné ce qu'il nous avait promis, c'est-à-dire deux caisses d'antidine si je me trompe pas. Il nous a donné genre 5 capsules, alors que dans la tour ils en ont besoin, il y a eu un infecté dans la tour. Et ils ont besoin des caisses d'antidine. Bref. Du coup je suppose qu'on va aller. Là on va appeler nos amis maintenant et après on va aller à la tour. Allez c'est parti. On appelle ma maman, 0559. Mec tu vas faire la blague à chaque fois. Et c'est Crane. Au rapport. C'est le gros. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et c'est tout? Il veut que je le fasse. Comment ça, c'est tout? Je fais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non? Ok, on va s'en couper la verge. C'est quoi ce délire? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Mais il sera jamais payé. Récupérez le fichier, c'est tout. Mec, il va se faire bisouter jusqu'à la fin du game. Allez, je vais me faire foutre. Oh, et tu l'as pas dit au téléphone, mec, t'as raccroché avant. Putain, il est allez, content. Petit bite. J'aurais un petit bite. Voilà, donc sinon, ce que je disais, on va rapporter l'antidine à la tour, gentiment. Parcours. Oh, une petite caisse. Hein? Ici, Alfie. Bon, écoutez-moi tous. On a plus de gaz à la tour. Et j'ai l'impression que c'est pareil partout en ville. Plus de gaz? On sait ce qui s'est passé? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Ok. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare. Et pourquoi il s'est monté une forteresse, l'ami? Pas rester avec nous, tu sais. Attends, je fais mon crochetage. Nouvelle entrée dans le journal, gaz à tous les étages. On va la faire? C'est par là, c'est par là. Non, c'est par là. Ok, il y a des virulents. Attends, j'ai ouvert parce que... Je me suis fait le coffre là. Petit crochetage. Oh non, il m'a vu à cause de toi. Vite, prends la pelle. Bon, on se casse. T'es où toi? T'es en bas? Ça, j'ai rien oublié? Non. Comment il s'est viandé? C'est quoi ces petits trucs bleus qui apparaissent de temps en temps là? C'est des missions avec. Aïe, putain, je pensais que si je tombais là, ça allait. Fuck you, bitches! Ok, bon d'accord, je passe par là. Sinon, plein d'autres virulents qui vont arriver. Quoi. No pain. No gain. Parcours, Ok. Je suis un peu fatigué. Souffle un coup, mec. Bon, attendez, on va livrer la caisse à l'intendant, là, je sais pas ce que c'est, les trucs humanitaires. Ça peut être cool, je sais pas ce que ça va apporter. Rapporter l'antidote. Mais non, mais les caisses à l'intendant, c'est les livraisons d'avions, c'est ce que je t'ai dit. Ah ouais, mais c'est ce qu'on a trouvé dans le... Oui, voilà. Dans l'eau. Oh oh. J'ai failli tomber comme une brêle. Ouh. T'es tombé, toi? Ouais. Ah oui. Oh mon dieu, j'ai un PV. Putain, c'est chaud. Mais c'est une blague. Putain, il me pousse juste. Putain de merde. Attends, je vais essayer de les attirer par là. J'ai pas de... Moi j'ai plus de pétard. Aïe. Allez, okay, on se casse. Chaud. What? Y'a un sniper ou quoi? Salut. Fuck. What? Qui c'est qui m'a tapé? Jeff? Mais c'est Jeff, c'est le mec qu'on a cherché là, non? Ah ouais? Bah vas-y, on le chope, hein. Il était où ce con? Oh, y'a un virulent. Oh! Tiens, espèce de bâtard. Ok, ça le marque plus, tout va bien. Bon, vas-y, on va au pont orange. T'es mort? Ah, merde. Laisse tomber. Je laisse crever? Ouais. Genre, ouais. Ok, je laisse crever mon pote, normal.
Hashtag zéro amitié. Ah, la fatigue du mec. Ah, fatigue, hein. Brecken, c'est Crane, tu m'entends? Brecken, tu m'entends? Merde, Jade, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antisines t'as récupéré? 5. Rice, voulait que... On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On n'ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18ème étage. Vous avez qu'à faire attention aussi. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antisine. Mais pourquoi tu veux que je la perde, connasse? C'est juste, là on s'est fait chier à faire 4 millions de trucs, on ramène 5 trucs d'antisine, ils sont là en mode quoi? Mais c'est tout, t'es vraiment bouffon toi. Attends, ça va, t'es... J'avoue, fait trop la meuf, t'es. Elle est restée au chaud toute la journée. Non mais Java, ça va, la meuf elle était là en mode oh dis donc, si je mettais les dents au cul maintenant. C'est bon, je suis arrivé à destination. J'ai t'atteint. À destination? J'ai t'atteint lol. Je vais donner le truc à l'intendant. Bah mais du coup on va pas trouver de chef. Faut que c'est les joueurs. T'as besoin de quelque chose? Bah non, je suis parti moi. Merci, excellent. Ça va nous être bien utile. Oh, ça donne 2500 quand tu donnes ça? Putain de souras. Objet en stock, putain il a gavé le truc. Je prends tout. Appel militaire et tout, tranquille. Je peux t'aider. J'ai un nouveau point de compétence. J'aime pas ta gueule. Apprenez à utiliser les clôtures électriques piégées. Améliorer votre capacité à réparer. Vous pouvez récemment réparer une arme sans utiliser d'emplacement de réparation. Quoi? Je peux t'aider. Améliorer votre compétence de marchandage. Apprenez à fabriquer des shurikens avec 3 d'effets. Bon, excusez-moi, je baille. Ok. Le mec qui trace, c'est genre... Attends, il y avait des points d'exclamation à qui il fallait parler. Parce qu'il y a des quêtes. Ramène-toi. Hé, hey, tu vois cette maison avec la fumée rouge? Avec si la les gars fumée de Rice la repèrent, ils vont frapper à sa porte. Quelqu'un doit prévenir ses occupants. J'ai pas mal de soucis en ce moment, mais je vais y réfléchir. Ouais, on va le faire. On va le faire. Et Jean-Michel, yeux globuleux. Vas-y, là aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Jafar, pas vrai? Le gars du garage. Ouais, je le connais. Il cherche un bon traceur. Pourquoi faire? Il ne voulait pas en parler sur la radio. Je pense que c'est important. D'accord. Il va pas trop nous kiffer, il sera en mode « Mais t'étais pas un mec de... Mais putain, mais je me fais bijouter de tous les côtés !» Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Crane, connaissez-vous un homme qui s'appelle Volkan Yassifdal? Bien sûr, Volkan Dahl, bien sûr. C'est le patron de Volkan Petrol Engineering, l'homme le plus riche d'Aran. C'est exact. Et Monsieur Dahl a besoin de vos services. Je savais pas qu'il était encore en ville. La plupart de ses employés ont été évacués. Mais ses deux ingénieurs en chef sont toujours ici, dans le bidonville. Tolga et Fatine. Ils travaillent sur un projet spécial. C'est hautement confidentiel et je crains de ne pouvoir en dire plus. Oh, ils sont mais chiants avec ça. Je peux vous assurer que c'est d'une importance capitale. Ça devait alors chiant, je ne chercherai pas à en savoir plus. Les deux frères sont de brillants ingénieurs. Mais ils sont aussi quelque peu spéciaux. Ils sont un peu déclavés. Les conditions problématiques de l'environnement actuel... Et vous comprendrez qu'ils ont pris du retard. Monsieur Dahl voudrait que vous l'aidiez à remettre le projet sur les rails. Vous recevrez une généreuse compensation, bien évidemment. Très bien, évidemment. Ce qu'ils vous demandent. Ils n'auront besoin de vous que de temps en temps, et vos missions ne seront que de courte durée. Vous devrez éliminer des obstacles, dirons-nous. Ils vous contacteront en cas de besoin. J'y réfléchirai. Très bien, merci. Hashtag bouffon. Hashtag va te faire enculer, ouais. Il y a plein de choses à faire. Oui, il y a un point d'exclamation par ici. Il est où, CFDP? Et là? Non, c'est pas lui. Non, c'est... What? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Mais tu l'acceptes, ça? Vas-y, on l'accepte, toi. Easy. S'il y avait plus de pièges, ce serait plus facile. Pourquoi il y a des points? Ah non, mais c'est au-dessus, en fait. Allez, je prends de l'ascenseur. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Voilà. J'espère que tu jetteras au coulé le tableau. J'espère vraiment. Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18ème étage. On se le fait. L'épidémie, l'épidémie. What? Tu as l'antisine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée. Et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken... voulait sauver un max de gens. C'est un boulet, Brecken. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... et quelques gamins dans le tas. Oh là là, les boulets. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. T'aurais pu les sauver avec tes grosses.
Coup de boobs. Zombie boobs. Content de te voir, Crane. T'as pas vu ce qui est arrivé. Et c'est pas plus mal. Super. Cool, t'as la FFTP. Wow, lame crochet, normal. 5000 balles, putain, c'est une blague. Plan de pompe à poison. J'achète ça. Attends, je vais lui vendre des trucs. Des objets de valeur, là. Vendre tes objets de valeur. Allez, tiens. Je retiens. Allez voir Brecken. Allons voir Brecken. Brecken ? Brecken, t'es vexé ? On attend des autres joueurs. Superbe ! Je vais attendre ce con. La souffle. Hey Brecken, ça va ? T'as laissé mourir des enfants alors ? À FIFA 12. FIFA 2000. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antigène. Bah, ça pas ton film. Là on n'en sait plus. Il y avait des enfants. Et moi. Lina a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane. Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est parcours. Tout. Tous frérens. Parcours. C'était toi. Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran ? Des putains de cartes de visite ! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et quitter mon petit appartement pourri. Écoute, je vais aller parler à Rice. Et du coup, pour le film, on fait quoi ? Attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Ok, donne-moi du temps, vas-y, donne-moi du temps. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Ouais, t'as de la chance. Sinon, je te fume comme la télé. Ok, très bien. Bon, bah alors lui, il a pas l'air content. Et en même temps, il a laissé mourir les enfants. Bien joué. GG Wellplay. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Ouais, ok. Contacte le greu. D'accord. Si on a que ça à branler. Je suis sûr, il va se faire griller. Ce serait cool, hein. Oh, Jean-Michel Moustache. Vas-y, saute, hein. Le mec, il pousse, t'es un petit kick. Raïm ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Salut, Crane. Ok, salut. Je peux te faire confiance ? T'es sous ou quoi ? Oui ou non ? Je me suis tapé les mains et... Qui a-t-il ? Les éclaireurs ça, c'est ont trouvé un Hydra Pass dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Oh. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Ah, me dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antisigne dont on a besoin. C'est la Red Faction, mec. On fait une bonne équipe. Ah, merde. Me lâche pas. Me lâche pas. Lâchez-le. Putain. Non, j'ai pas de cinématique. Tu vois, on fait une bonne équipe. Vas-y, je vais essayer de sauter, tu me rattrapes, d'accord ? Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike. Mais bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Il va mourir, lui, c'est sûr. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. Oh. C'est quoi ça ? Les Pyrénées. Pas touche. Je devais partir le dimanche. Mais ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais partir à Gourette. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok ? Si je trouve un moyen bon, de t'aider. Bon, il a pas l'air heureux dans sa vie, lui. Ah, c'est ça, vas-y, casse-toi. Laisse-moi sauter. Vas-y, tu m'as saoulé. Ah, ils sont tous dépressifs, putain, dans la tour, là. Oh, il me tue, quoi. Vas-y, saute. Pousse-le. Raïm. Allez, à le moment. C'est pas encore assez. Ici Crane, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antisine près de la tour. On en a besoin. On vous
a envoyé à Aran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. Comment elle nous l'a mis, elle nous pisse dessus. Avant que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Elle te pisse dans la bouche, quoi. Peut-être que Mademoiselle Altemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Ah oui, ça lui ferait plaisir, oui. Donnez-nous de l'antisine, et ensuite... ensuite on verra. Ouais, ensuite on verra, ah, ok. Vous le prenez comme ça. Désolé de vous dire ça, mais vous rêvez. Mais elle nous pisse trop dessus, elle. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés. Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Ouais, voilà, fallait bien être cool avec moi. 3-6, nos scopes. C'est par là, frère, non, je déconne. Crane, c'est Jade. Ah, Jade, tu veux pas aller te faire tringler par là ? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Cool. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antisine. Ah ! Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi ? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons près de l'école. Oh, c'est un piège. Au fait, Jade, si jamais on retrouve pas l'antisine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos d'eux ? Pas maintenant, Jade. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Ok, allez, Jean-Aude. Bon, elle, on va lui demander juste d'aller se faire péter la tronche par Rice. Enfin, peut-être plus que la tronche, je pense, avant. Jade sait où on peut trouver plus d'antisine. Je vais la retrouver dans un des wagons près de l'école. Alors, j'annonce, les amis, qu'il va y avoir Rice là-bas et que Jade va se faire enlever. Et qu'en plus ils vont dire, hey, t'aurais pu nous la livrer quand même. Non, il va dire, ah, tu nous la livrer, c'est gentil. Parce qu'on lui aura pas dit. Non, j'ai ramassé une note sans faire exprès. Allez, on y va. Oh, par là-bas. Toujours plus loin, tu sais. C'est Crane ? Vous m'entendez là-dedans ? T'es qui, toi ? Ici Tolga. Ouais. Olga. Nous travaillons pour Monsieur Dahl et nous avons quelque chose à vous confier. Venez vite par ici et que ça saute. Comment ça, que ça saute? Mais les mecs ils nous prennent tous pour des chiens. C'est ça, Olga, c'est impoli. J'avoue. La ferme, Fatine, lâche la radio. Tu vas le rendre dingue, espèce d'idiot. Mais ils sont débiles, les mecs. Arrête de parler ou je te frappe. Frappez moi, je vais te tuer. Arrête de parler ou je te frappe. Spéciaux, en effet. Génial. Arrête de parler ou je te frappe, t'as vu? Alors crochet, maintenez T. Vas-y, on le fait. Hein? On fait ça. Maintenez T pour suivre. Allez, c'est parti. On va trouver Karim et... et Olga. On le fait comme ça, fin de la mission. Lâche lag. Allez, monte FDB. Voilà. De tes morts. Attends, c'est par là qu'on monte. Non, on va monter par là. Non, fuck you. Fuck you, muchachos. Oh putain, le slide qu'elle a fait. Vas-y, on attend deux joueurs là. J'arrive. Oh, zone sécurisée atteinte, salut. Et t'es où toi? Ah, t'es au niveau vous du véhicule, salut. Fatine. Oui. Comment vous avez deviné? Peu importe comme son cerveau de primate traite l'information. Oh, mais comment il parle pour lui. C'est vrai, Tolga. N'oublie pas, utilise des mots simples, ne le perturbe pas. Nous devons déplacer du matériel à travers la ville. C'est plutôt lourd. Lourd comment? Trop lourd pour vous, bête simiesque. Nous allons le propulser à travers le ciel grâce à de solides tyroliennes. Une idée brillante. Vous trouvez pas? C'était mon idée. Non. Dites-moi juste ce qu'il vous faut. Bah, des crochets, évidemment. Sinon, comment accrocherions-nous l'équipement sur les tyroliennes? Vous en trouverez dans les entrepôts ferroviaires. Il sait ce que c'est, un entrepôt? Sans doute pas. Renseignez-vous, mais faites vite. Mais ce projet est bien plus important que tout ce que peut comprendre votre cogitateur crânien proto-humain. Et n'essayez pas de comprendre ce que c'est. Mon Dieu, non. Vous feriez un anévrisme. Alors, ma putain coup de batte, ou... Nous avons embauché un gorille pour faire le travail d'un chimpanzé. Tu veux dire d'un orang-outan? Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que le docteur Zaius est plus intelligent que Cornelius? Oui, évidemment. Les orang-outans étaient les plus intelligents. Il y avait des quêtes, mec. Cornelius a même pas passé son doctorat. Et il connaissait la vérité sur les origines des primates. Tout comme Zaius. Mais lui, il savait que ce savoir ne servait à rien. Ton savoir ne sert à rien. Mec, ils font que ce clash, tu sais. Aïe! T'as touché, les gros moches. Aïe!
Ils sont sérieux les mecs. Où t'es papa, où t'es? Tu commences à virer là ou comment ça se passe? Oh, t'as sauvé un mec? Je vais te faire bouffer cette chose, a failli m'avoir. Ah merci la récompense. Merci. Oh le mec en inhabit, rate là. Jolie, le chemise à fleurs. Il mérite limite un coup de batte. Hein. Éliminer le malabar, non c'est mort. Faut les entrepôts, ok on fout les entrepôts, pas de problème. Eh, hey, c'est ce que c'est un entrepôt tu penses? Faudrait pas que je me retrouve bloqué dans une armoire. Ah mais qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y. Ah on peut monter par là-bas. Là le PTDR, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits? Ah ok. Chopez là! Bien joué ça. Niveau d'agilité augmenté, bim. C'est bon, je suis en haut. Allons chercher des clochers. Non, il y a des gros méchants en bas. Ah non, c'est juste des zombies classiques. Classiques. Et comment je descends? Qu'en aille descendre? Oh, je crois qu'il y a un malade. Je crois qu'il y a un malabar en bas. Je suis pas sûr. Pas le chewing-gum hein. Ah il y a une ouverture ici. Ah non mais trop pas. Pourquoi il... Comment on fait pour descendre? Bon ça. Bah, j'aimerais bien descendre à la salle où il faut aller quoi. Oh ah bah ouais. Ouais bien joué Malafite. Oh mec. Ça la mèche. Ouh y'a du monde quand même. Mec je suis bloqué sous. Qu'est-ce que tu fais? Alors on est bloqué. C'est la diversion parfaite. Tu prends un coup de massue mon pote. J'arrive de cheval. Aïe. Ça fait très mal. Ah je me casse. C'est sous la map. C'est sous la map. Tu m'as pas sous la map. Ils essaient de te taper mais... ils y arrivent pas. C'est des golemons tu sais. Bon alors sinon comment faire? Peut-être qu'il y a des crochets à chercher. Attendez, on va trouver les crochets au pire, hein. On va servir de Benjamin comme appât et voilà. Tuyau d'eau. Pourquoi il le ramasse pas ce qu'on a? Je peux fabriquer un nouvel objet? Plutôt cool. Ah oui, on va spammer. Ah alors où est-ce qu'il y a des crochets? Ah t'arrives à les taper mec. Ah tu te fais taper aussi. Ouais. Ce serait bien qu'il te tue. Ah tiens rien. Tu sais que des crochets peut-être que j'en avais assez au final. Je continue à chercher moi. Ah, il va m'enfoncer dans la terre. Il va te planter. Ah du café, des clous. Ah, ça y est, il m'a enfoncé dans la terre. Ah effectivement. Putain le... Aïe jeu de merde. Tiens, putain. Prends ta... Ta gueule. Il est où ce con? Il est pas mort? Il meurt! Tiens là, oh! Mais meurt! Enfin! Oh, j'ai pris quoi? Ah, j'ai trouvé des crochets! Ok, j'ai trouvé des crochets, c'est une bonne nouvelle ou pas? C'est une bonne nouvelle. Oups! Oh, du coup, toi, c'est bien, t'es sorti plus vite comme ça. Allez, allez, on s'en va. Un peu partout, quoi. Ah monte, abruti. Allez, monte. Non. Oh, putain de merde. Allez, je veux sortir d'ici, moi. Oh, je dois passer. Allez, monte, abruti. Voilà. Et par où je sors? C'est par l'autre côté là-bas. Ouais. Ok. Allez bah go hein. T'inquiète, y'a pas de virulent qui te suit. Vamos ouais. À la playa. Oh oh oh. Oh. Ok. Où il sort lui? Il est con lui ou quoi? Normal. Écarte-toi. Écarte-toi, Sophie.
Je sais plus à quelle heure on a commencé le... 20h. Hein ? 20h. 20h ? Ouais, par là. Ouais. Mais non, jamais. Never. Allez, on s'arrête à 10. Bien 10. Salut. J'ai vos crochets. Ouais, même incroyable. À 5. Hein. Nous l'avons sous-estimé. 5, okay. Difficile de nous en vouloir. Regarde-le. C'est bon, là ? Vous avez terminé. Nous avons du travail. Quand nous aurons fini, nous laisserons des tyroliennes en place pour vous. Oui, merci. Nous savons que vous autres primates aimez vous balancer liane en liane. Mais c'est pour une moment qui dit. Les gros fils de pute, quoi. Ah, c'est là qu'il y a des gâteaux. Alors, il paraît que tu cherches un traceur ? On cherche quelqu'un qui sait pas dire non. Jafar te donnera tous les détails. Jafar, il m'aime pas trop, hein. Ouais, de toute façon, Jafar, moi, je l'encule. C'est un calife, Jafar. Tu pourrais te calmer un peu et m'expliquer, s'il te plaît ? Bien sûr. C'est clair que ça va résoudre tous mes problèmes. Le calme, c'est la solution. Non. La solution, c'est de mettre un peu de distance entre nous. Ok, ok. Une seconde. Je me calme. Ah, il me calme. Je suis hyper calme. Ça y est. Je fabrique des fusées. Pour Rice. Tu vois ce que je veux dire ? Des fusées de détresse, tu veux dire ? Non. Des fusées UV. Auxquelles les créatures de la nuit ne résistent pas. Tu sais, UV, comme ultraviolet. Ça te dit quelque chose ? Des fusées UV. Ok, continue. Je peux pas continuer. Justement, mon zinc a été contaminé par du fluor. Ah, merde. Il est bon à jeter. Et puis, j'ai plus de térébenthine. Généralement, c'est pas un truc très compliqué à trouver. Mais depuis quelque temps... Donc, quand les gars de Rice vont venir chercher les fusées... Tu parles. J'appelle ça des gorilles psychopathes, moi. Des gorilles psychopathes. De quoi t'as besoin exactement pour tes fusées ? De zinc et de térébenthine, c'est tout. J'ai le reste. Non, je l'ai le problème, moi, c'est que tout ça se trouve dans les entrepôts près des voies de triage. Et je tiendrai pas 10 secondes là-bas, personnellement. Franchement, je suis déjà étonné que tu sois toujours en vie. Très drôle. On dirait Cyril Hanouna un peu. Si je vais te chercher ce dont tu as besoin, je veux la moitié des fusées que tu fabriqueras avec. La moitié ? Tu ris ou quoi ? Tu ris. T'es malade ? Soit tu me donnes 50% de quelque chose, soit tu auras 100% de rien. D'accord, d'accord. D'accord. Imhotep. Bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour le gameplay partie 8. Oui, on s'arrête là, salut. Fais-toi des post-it mec, hein, ça fera peut-être plus simple. Ouais, ouais. Et ah tiens, mettre une T pour suivre, on va pas le faire de suite. Et bon, on enchaîne de toute façon avec Jem. Allez les amis, merci encore pour les likes des dernières fois et bisous bisous à tous. Ciao ciao.